Achons l'époque moderne, François Ier et la Renaissance. En 1515, François Ier monte sur le trône. Il renforce le pouvoir royal et gouverne seul. Il entre en guerre pour conquérir l'Italie et remporte la bataille de Marignan. Tout au long de son règne, il se bat contre Charles Quint, roi d'Espagne qui veut s'emparer d'une partie du territoire français. En Italie, François Ier découvre l'art de la Renaissance, né d'un renouveau artistique et culturel. Il invite des artistes italiens en France, comme Léonard de Vinci, auxquels il achète de nombreuses œuvres. Il fait aussi construire de grands châteaux, comme celui de Chambord. Grâce à lui, la Renaissance se répand en France. Le XVIe siècle est aussi le siècle des grandes découvertes. Les Européens explorent les océans et découvrent des territoires inconnus, comme l'Amérique.